Eh bien, bonsoir. Ce morceau s'appelait Mami Wata. Mami Wata, ce sont les esprits qui vivent dans les eaux d'Afrique, dans toutes les eaux, dans les marigots, dans les fleuves, dans les mers. Et ce sont des esprits que l'on respecte beaucoup car ils sont très puissants et on ne sait jamais si ça va être bon ou si ça va être mauvais. Mami Wata, donc. À présent, un morceau qui s'appelle Bulletin Nul. Bulletin Nul parce qu'on essaye encore de nous faire croire des choses. On essaye encore de nous faire entendre que Monsieur Le Pen, Madame Machin ou Monsieur Truc va changer véritablement quelque chose. Bulletin Nul. Thank you.
un pour tous les nostalgiques de Tino Rossi, et ils sont nombreux. Voici un morceau qui s'appelle Canchichi Bella et qui est un hommage irrésistible à celui qui créa au Bella Catarinetta Chichi. Thank you.
Bien, voici une histoire qui vous touchera certainement. Enfin, j'espère, parce que ça se passe en Suisse. Pas tout à fait le même style qu'ici, vous voyez, un petit village tranquille, vers Neuchâtel, hein. Et ce petit village, il s'appelle Saint-Blaise. Et à Saint-Blaise, c'est aujourd'hui dimanche, et le dimanche, il ne s'y passe pas grand-chose. Les vieux jouent aux boules, aux quilles, quoi. Comme ils ont toujours joué depuis des siècles, ça n'a pas vraiment changé. Et dans l'arrière-fond du bistrot, les jeunes, eux, ils jouent au Space Invader. Et la seule différence, c'est qu'à la place de la boule, il y a un petit point lumineux qui se promène sur un écran, mais rien de vraiment nouveau, quoi. Et puis tout est silence, et le son des cloches qui dévalent de la montagne est arrondi comme des galets qui seraient entraînés dans un ruisseau. Et on entend seulement que ces cloches qui descendent dimanche à Saint-Blaise, un dimanche comme les autres. Thank you.
Ça va, oui? Ouais, oh ben j'ai pas l'impression que je suis entendu tout le monde. Hein. Serais-je un pays germanique? Diantre, diantre. Nous voilà dans le ventre de la bête. Bien. Voici encore une histoire édifiante. C'est celle d'un voyage de noces, pas tout à fait comme les autres, ou alors vraiment comme les autres, c'est à vous de choisir. Ils étaient deux, ils étaient amoureux, ils étaient heureux. Ils se dirigent vers la gare, ils composent leurs billets, car c'est obligatoire et conseillé. Et les voici sur le quai, au moment où le chef de gare, dans un geste auguste, actionne son petit instrument qui fait ébranler ce grand convoi qui va les emmener dans le sud de l'Italie, là où ils vont s'aimer d'un amour pur et sans tache. Seulement voilà, seulement voilà, seulement voilà. Thank you.
Funny, isn't it? Non, c'est pas ça. Eh bien, laissez-moi à présent vous narrer une petite historiette qui vous permettra de mieux situer, n'est-ce pas, le contexte dans lequel je veux vous raconter cette histoire. Eh bien, nous étions là, les deux, le chien et moi, sur le banc entre la haie d'hortensia et le chemin qui mène au fumier. Lui faisait sa toilette et moi, rien du tout. Il faisait beau et j'écoutais la campagne. Au loin, les nuages mangeaient la pointe des montagnes. Comme quand j'étais petit, je grignotais en premier les coins des biscuits. Deux hirondelles sont passées en piaillant juste au-dessus de nos têtes. Le chat s'est redressé et les a suivis du regard très longtemps. Nous avons dû penser la même chose, lui et moi. Alors il est parti tranquillement dès que les premières gouttes se sont mises à tomber, en faisant de petits bruits mats sur les feuilles, comme lorsqu'on tape du doigt sur un livre. Alors la voisine a refermé ses fenêtres. Moi, j'ai remis mes chaussures et je suis rentré. Thank you.
Parmi toutes les bestioles qui se promènent dans l'océan Atlantique, il y en a qui sont vraiment flasques et nauséabondes. Et parmi elles, il y en a une qui est particulièrement moche et flasque. Non, ce n'est pas la méduse. Non, ce n'est pas la sèche. Non, ce n'est pas la sardine ou l'anchois. C'est la raie. La raie. La raie, quoi. Oui, une raie. Ce pauvre animal, zoné entre deux courants, à la recherche d'une maigre pitance, car depuis plusieurs jours, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Pas le moindre vermicelle. Rien. Alors, dans sa petite tête de raie, car le coefficient intellectuel d'une raie est impensable de nullité, elle se dit que si elle ne trouve pas à manger dans l'eau, alors elle le trouvera dans le sable. Alors elle se laisse tomber sur le fond dans un grand nuage de sable. Et se met à creuser. 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 Au bout de 50 cm environ, en dessous de la surface du sable, elle rencontre un bigorneau. Bonjour, monsieur le bigorneau. Y a-t-il quelque chose à manger ici? Non, lui répond celui-ci, de toute façon j'étais là le premier, alors casse-toi! Alors la raie se remet à creuser, 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 creuser. Elle creuse pendant des jours, elle creuse pendant des nuits. Elle ne cherche pas à comprendre. Seul son estomac la guide. Et au bout de plusieurs jours et de plusieurs nuits, alors que la fatigue commence à faire cruellement son effet, elle aperçoit une lumière qui traverse l'obscurité. Là où est la lumière doit se trouver le salut, se dit-elle, car c'était une raie très croyante. Alors elle se dirige immédiatement vers cette lumière et dans un dernier effort pénible, elle débouche en plein au milieu du Sahara occidental. Le ciel est d'un bleu profond, la température de 50 degrés centigrades, le vent nul, la visibilité excellente. Les conditions idéales pour que ce pauvre animal se dessèche au soleil et crève sans jamais revoir sa mère. Lorsqu'un bédouin arrive, musique du bédouin. Hola ! Dit-il à son chameau préféré. Que se passe-t-il là ? Ce n'est pas une raie que je vois sous mon pas ? Par Allah. Si cet animal se trouve là, c'est que Allah l'a mis pour me calmer la faim. Alors il sort de son petit sac en peau de chèvre quelques morceaux de bois et un briquet d'amadou et commence à confectionner un petit foyer. Il pose la raie dessus lorsque les braises sont suffisamment incandescentes. Et le pauvre animal se met à cuire tout doucement. Et ce qui devait arriver arriva. Le bédouin a mangé la raie, sans beurre, sans sel, sans sucre. Et la morale de cette histoire stupide, c'est que ventre affamé n'a pas d'oreille, et que tant que va la cruche à l'eau, la raie ensablée. La raie ensablée.
Thank you.
Ce matin, il fait pas beau. D'ailleurs, tous mes matins, ils sont pas beaux. Depuis quelque temps. Je dérive sans boussole entre les poubelles et les merdes de chiens sans regarder mes pieds. Je vais encore me réveiller tout habillé. Le poids de la marée qui me remonte fait osciller le trottoir sous mes pas. Pourtant bien rentré. Encore trois réverbères, l'abribus et puis j'y suis. Surveiller la trajectoire, commencer à chercher mes clés. Les voisins sont déjà debout. Pauvre con. Sur la porte, à côté de la serrure, il y a mon nom, mais il y a le sien aussi. Faudrait que je pense à l'enlever depuis le temps. Pas la force. Je m'affale sur mon lit et je m'endors comme on tombe dans un trou. Mais les images se mettent à tourner de plus en plus vite. Se tourner, se retourner à chacun de mes mouvements. Tout le liquide ingurgité clapote dans mon estomac. Il y avait ce chien crevé qui flottait sur l'océan, les pattes en l'air et le ventre gonflé. Pourquoi je pense à ça, je sais pas. Se retourner encore. Une vague plus forte que les autres entraîne le flot tout entier sur le plancher. Je reste là, hagard, la tête dans le vide, superposant sa figure angélique à l'étendue de la mer rouge, que ma main effleure comme si d'une barque immobile, je suivais son contour à la surface de l'eau. Dans la glace de salle de bain, ma gueule me déteste. Entre les dents de la brosse à cheveux sont coincés de longs tifs qui ne m'appartiennent plus. Et maintenant je pleure sur la table. Entre les mégots et les couverts sales. Et demain, après le bistrot, quel temps il fera.
Ça s'appelait Si Rose. Quand j'étais pas très grand, quand j'étais petit, chez nous on avait un gros poste de radio, vous savez, ce genre de machin en bois là, avec une vitre qui s'éclaire devant et puis des tas de noms de villes comme Budapest, Munich, je sais pas quoi moi. Et puis quand mes parents étaient couchés, alors je retournais subrepticement à la cuisine et je rallumais le poste de radio. Et avec un peu de chance, en tournant les boutons, j'arrivais à capter, par exemple, Radio Berlin. Et ce soir-là, justement, sur Radio Berlin, il y avait un opéra. Le dernier morceau qu'on espère se passera sans problème ni incident. Ce dernier morceau qui s'appelle Milkman. Milkman, c'est le laitier. C'est celui qui apporte cette petite bouteille indispensable à tout petit déjeuner, n'est-ce pas? Alors Milkman, c'est le rap d'emballage perdu, vous voyez. C'est un petit tempo sympathique qui nous permet de conclure d'une façon guillerette, voyez-vous. Alors Milkman, ça a été composé par ma camarade Suzanne, derrière moi. Et ça nous permettra de vous dire au revoir. Et ma foi, continuez bien, et nous aussi. À la batterie, c'est Bertrand.
Au saxophone et à la flûte, Gilles Michaud-Bonnet.